Découvrez vos produits Sud de France avec la région Occitanie. La distillation, c'est une histoire de famille. On a vite vu que la mode était au whisky. Nous avons la céréale, l'orge de brasserie, nous avons les alambics, et de là, nous sommes partis à faire du whisky. Le grain concassé va se mélanger avec de l'eau. Je vais homogénéiser ce produit entre l'eau et le grain. Ça va tourner en permanence. Et par des tuyaux, je vais l'envoyer dans les trois cuves qu'il y a là, qui sont les trois fermenteurs. Pour faire le whisky, je mets mon moût de malt qu'a fermenté pendant 5 jours, et je vais rajouter de la vapeur. Quand la distillation est terminée, à ce moment-là, nous allons réduire l'alcool qui est très fort à plus de 70 degrés. On va le réduire petit à petit avec une eau régionale de la Côte. Alors après la réduction de l'alcool que l'on a fait en cuve inox, on vient mettre les alcools, les eaux de vie dans des tonneaux. On va faire un vieillissement de 3 ans minimum, voire 4 ans. Pour ensuite être embouteillé. La région Occitanie nous a permis d'obtenir la marque Sud de France. Elle nous apporte un soutien sous une marque, un gage de qualité vis-à-vis du consommateur. Bonjour Roxane. Et bonjour, comment ça va? La bouteille que tu m'as commandée. C'est très important pour nous de valoriser ce terroir, les savoir-faire. On n'a pas besoin d'aller très loin, Gaston travaille très très bien et c'est vraiment un bonheur de faire découvrir à nos clients ce savoir-faire justement local. Il y a un peu de caramel quand même avec le fût que je trouve assez sympathique. Bah, j'espère qu'il plaira à tes clients. Et bien, on va tout faire pour. Santé. Découvrez vos produits Sud de France avec la région Occitanie.